De peut-être incident que nous t'ai vérifié, que nous t'ai estimé, qui t'est arrivé et sous bien avant que le défilé ait commencé et en même temps. Ce n'est pas de incident qui arrivait pendant que les chars ou bien pendant que les banapiers ont performé, mais sauf que c'est des cas qui arrivaient joint le département de santé, alors même que nous t'ai bail soins de première nécessité. Nous avons un jeune qui a 23 ans, encore qui frappe dans la main et dans le pied, c'est un accident moto et que logistique de l'abrager de conseil avec la police pour regarder comment nous diminuer ça, nous faire ça pas exister, même si tu vas prendre la question moto en même temps. Nous avons un jeune qui a 25 ans, qui frappe au niveau du pied droit, encore c'est en moto. Nous avons un monsieur qui a 60 ans qui était fracturé au niveau du pied gauche, encore c'est moto. Et puis nous avons un monsieur qui a 46 ans qui a des grandes douleurs dans la hanche. Donc, suite à la chute, que 4 qui s'est conduit à tenir, qui c'est le groupe qui a dans le département de santé pour te faire soins de première nécessité. Et moun qui et monsieur 60 ans, qui a conduit pour aller dans l'hôpital pour aller recevoir notre soin. Donc, à partir de soins de première nécessité que le département de santé et permettre que moun qui recevra rejoignent, que cap qui sous kiosque dans la tout cas est constaté, comme la presse, c'est côté de la dispensaire. Donc, nous faisons suivi avec, et alors l'équipe de santé fait suivi avec l'hôpital que nous-mêmes nous affilié avec. Donc, c'est comme ça que ça a été présenté pour le premier jour. On a dit pour le deuxième jour, pour une fois, c'est peut-être même condamnation aussi. Et qui déjà lancé? Et c'est pompiers, c'est la police, c'est ambulance, c'est tout ce après, c'est défilé de bandes déguisées, ça n'est les couleurs artistiques de la carnaval là. Tout ce après, c'est pour les bandes cas présent à temps. Parce qu'il y a 6 heures fin finie encore, 10 heures pour 6 heures, on a respecté le temps. Maintenant que nous avons pile feedback et surtout pour l'heure que le carnaval a commencé. Tout de suite après, moi c'est que Abguin, on a justement une participation, soit artiste ou bien groupe sonore pour aujourd'hui. On a un petit pays qui a commencé pour le groupe sonore, nous sommes directement là. Et petit pays qui me connaît tout, qui a une autorité dans l'affaire carnaval, et racine engagée tout, qui a réalisé un bel carnaval dernier jusqu'à maintenant, c'est un artiste qui fait carnaval à ça. On a un isolant qui a accompagné de fantômes encore de Baïkato, qui a support pour qui est déjà dans le pays. Et puis, on a gagné Junior Bonheur qui a support. On était déjà annoncé Junior dans un premier temps parce que gagné une rotation qui fait et la question participation soit artiste solo bien chat. Et puis, en dernière position, on a bien Work Femme la meilleure qui a fini par couler. Et immédiatement, que 6 heures arrivées, si un groupe ou bien n'importe quel groupe, comme c'est le groupe sonore qui est en dernière position, si un groupe ou bien un artiste pas est arrivé, n'a pas de problème. Vous avez remarqué hier, 6 heures, un pile monde est déjà arrêté sur le champ de Massan. Donc, qui peut être connu, qui peut être croire que le Canada a fini à l'heure. Même pas, c'est que le message à l'heure, merci la presse parce que nous sommes disponibles. Donc, joyeux carnaval. Thème carnaval, c'est réconciliation pour la paix. Dans la paix, dans la réconciliation, on a passé un bel carnaval, on a chuté ensemble, on a parlé ensemble, on a entendu nous. Merci tout le monde. Pour le groupe sonore, Anissa. Allez, pour le groupe sonore, pour le deuxième jour. Alors, pour le premier jour, nous connaissons que c'est Wap Femme là qui était commencé. Et de très tôt qui était passé, qui était respecté l'ordonnancement de carnaval. T'as gagné DJ Constant, qui était gagné DJ Capjou Souli. Malheureusement, que voilà. Pas capable de arriver jouer nous pour être capable d'écrire animation sur Pokémon parce que là, tu fais partie du groupe qui te gain pour te performer et pour le premier jour. Là. Malheureusement, nous pas joué nous là. Et en dernière position, tu as gagné Isolant. Nous connaissons qui c'est un artiste qui passe des présentations dans le cadre de notoriété, surtout dans le dossier carnaval, qui t'a pris l'animation et nous te répondre présent. Heureusement, en termes de timing, ce carnaval qui était respecté parce qu'ils ont passé devant Charles, devant stand officiel à 5h37 et c'était là que le parcours était tout terminé, était tout fini. Nous saluons la presse en général et nous saluons tout carnavalier qui déjà été Richard Massier, donc son plaisir encore, matin là pour le deuxième jour là, et pour nous présenter devant la presse, pour nous faire un petit bilan, et total de premier jour là. Donc ça fait un plaisir encore une fois, nous avons beaucoup de remercier la presse, dans nos comités organisateurs carnaval de Port-au-Prince, nous encore une fois décrété l'importance
la presse et pour le travail qu'il a fait dans le secteur. Moi-même, tout qui, c'est même la presse. Moi, c'est Yves Désir, moi, c'est porte-parole du comité carnaval pour la presse. C'est moi qui ai mandat pour parler dans le on dit bien là tout coup de déroulement et premier jour là, par rapport avec l'ordonnancement et ça qui peut être passé en dedans défilé carnaval là. N'a pas rappelé encore une fois, c'est un carnaval qui a commencé à 18h par rapport à la cérémonie qui a commencé. Et tout de suite après, c'est un défilé artistique, alors défilé avec policiers et pompiers et puis protection civile qui était là avec nous. Après ça, c'est d'abord les défilés artistiques avec bande déguisée, donc sous direction et en fédération artistique. On a parlé de BNE, qui c'est Bureau National de Technologie, on a parlé de SIAD, on a parlé de Théâtre National, on a parlé de Jibo, on a parlé de toute fédération qui était participé largement et dans la question artistique pour et déroulement pour le jour, carnaval dans le prince. Tout de suite après, c'est d'avoir le bon appui. Le bon appui, on dit que nous avons compris que son carnaval que nous avons essayé de doter à Port-au-Prince pour une première fois après plus que 30 ans que le carnaval n'a pas organisé dans le matin. Si nous avons dans le temps de organiser dans le matin, mais plus que 30 ans que le carnaval n'a pas fait dans le matin dans le Port-au-Prince. Nous comprenons que si nous avons une habitude qui est allée. Et pour commencer à retourner avec ça, il demande un pile patience, un pile sensibilisation, et surtout nous avons un pays qui est un pays tropical. Bref, donc nous pensons qu'il y a des imperfections pour nous corriger au niveau des logistiques, de concert avec la police, de concert avec la protection civile et pompiers pour nous essayer de gérer le parcours. Là. La presse nous a demandé tout pour mettre plus de considération par rapport à la question d'interview et sous le parcours de l'air des filets qu'a fait pour nous essayer de créer plus de possibilités pour le passé et pour l'image que nous avons fait du passé. Ce n'est pas sans raison que nous avons décidé de faire le carnaval dans le matin cette année. Nous estimons que couleur a pu dépasser par rapport avec belle que nous connaissons que la question artistique là, dans le carnaval là, puisque nous connaissons le carnaval en quelque sorte pas seulement danse, lycée création personnage, lycée théâtre, lycée et tout ensemble d'artistiques qui existaient autour du carnaval là, même si c'est ambiance tout. Bref, on nous arrive directement et dans bon appui, encore une fois que nous avons une ordonnance à partir de une heure qui ont arrivé sur le parcours là pour tout de suite les groupes sont capables d'avancer. Donc malheureusement c'était pas le cas, mais pour le deuxième jour là je pensais que nous parlons avec eux et nous réunir avec eux hier tout de suite après et carnaval a été fini. L'anti bilan de peut-être incident que nous t'ai vérifié, que nous t'ai estimé qui t'est arrivé et sous bien avant que le défilé ait commencé et en même temps. C'est pas de incident qui arrivait pendant que et Charles ou bien pendant que Banapio a performé, mais sauf que c'est des cas qui arrivaient joint le département de santé à nous-mêmes que nous t'ai bail soin de première nécessité. Nous gagnons un jeune qui a 23 ans encore qui frappe dans main et dans pied, c'est un accident moto. Et que logistique de l'abrager de voir ça avec la police pour nous garder comment nous ca diminuer ça, nous ca faire ça pas exister même sous forme de question moto. En même temps, nous avons un jeune qui a 25 ans qui frappe au niveau du pied droit encore, c'est en moto. Nous avons un monsieur qui a 60 ans qui était fracturé au niveau du pied gauche encore, c'est moto. Et puis nous avons un monsieur qui a 46 ans qui a des douleurs dans la hanche, donc suite avec une chute. Que 4 qui s'est conduit à tenir, qui c'est et groupe qui l'a dans le département de santé pour te cabaye soins de première nécessité. Et moun qui est monsieur 60 ans, que yo conduit pour aller dans l'hôpital pour aller recevoir l'autre soin. Donc, à partir de soins de première nécessité que le département de santé a, et permettre que moun qui recevra ou jouen, que au cap qui sous kiosque dans la tout qu'un cas est constaté, comme la presse, gagne côté de dispensé. Donc, nous fait suivi avec, et alors l'équipe de santé a fait suivi avec l'hôpital. Que même affilié avec. Donc c'est comme ça que ça a été présenté pour le premier jour. On a dit pour le deuxième jour, encore une fois, c'est peut-être même mon ordonnancement aussi. Et qui déjà lancé? Et c'est pompiers, c'est la police, c'est ambulance, c'est et tout ce après c'est défilé et bande déguisée, oh, ça n'est les couleurs artistiques dans le carnaval là. Tout ce après c'est pour et bande à bio qui est présent à temps.
parce que à 6h fond fini encore 10h pour 6h on a respecté time maintenant que nous j'ai un pile feedback et surtout pour l'heure que le carnaval a commencé tout de suite après moi c'est que Abguin on a justement la participation soit artiste ou bien groupe sonore pour aujourd'hui. N'a bien et pas qui a commencé pour groupe sonore nous veut directement là et pas qui me connaît tout qui gon autorité dans affaire carnaval et racine engagé tout qui était réalisé un bel carnaval l'année jusqu'à maintenant c'est un artiste qui fait carnaval année ça. N'a bien Isola qui a accompagné de fantômes encore de Baïka tout cap support.